Bonjour à tous et bienvenue dans le joli village de Termignon en Haute-Maurienne pour une semaine musicale avec le festival d'accordéon. Allez, venez avec moi, c'est un moment fort de festival puisque ce soir c'est la grande parade. Suivez-nous et dansez avec nous. Bonsoir Monsieur Pollux, alors aujourd'hui la 16e édition de ce magnifique festival d'accordéon, alors parlez-nous de ce festival merveilleux. Écoutez, en parler c'est bien, mais le vivre c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est vraiment, j'ai un plateau d'artistes cette année de tellement haute qualité que j'en suis fier, vraiment très fier. Voilà, combien il y a d'artistes ce soir ? Alors en tout, on a en officiel, on a 32. Et je dirais en off, c'est-à-dire les amateurs ou les copains qui sont déjà venus, semi-professionnels ou professionnels, je pense qu'on a à peu près autant, quoi. On doit être autour de 60 ou 70 artistes en tout. Très important pour cette station et puis pour la Haute-Maurienne. Oui, c'est très important pour plusieurs raisons, parce que c'est un festival qui anime totalement, qui fait vivre le festival accordéon, le Termignon plutôt, pendant une semaine. C'est vraiment extraordinaire, il y a une vie extraordinaire. On se rend compte que le vendredi soir, il n'y a rien, et puis d'un coup le samedi, tout le monde arrive, et ça donne une dynamique incroyable. Et en plus, c'est un festival rare, parce qu'un festival accordéon qui dure une semaine, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'on est les seuls en France. D'accord, alors un tel festival, ça amène à peu près combien de personnes ? Je sais pas, là ça amène entre 1000 et 1500 personnes. Après, les gens viennent pas, ils participent dans les soirées, les kikés au camp, dans ce qu'on appelle les kikés au camp. Ça veut dire que dans tous les restaurants, les bars de la station, eh bien les accordéonistes vont jouer tous les soirs. Et là, les gens viennent prendre les repas et écouter les accordéonistes. Donc on a ça tous les soirs, on a les soirées d'ouverture, les soirées de clôture, où là on a en moyenne 400 personnes, de toute façon on n'a plus de place, on ne peut plus les faire rentrer. Et là la parade aujourd'hui, vous avez vu la parade aujourd'hui, on avait 700, 800 personnes. Félicien qui fêtera bientôt son 94e printemps. Félicien ! Eh bien écoutez, moi j'ai vécu à Termignon, je suis né à Termignon. J'ai fait la guerre 39-45 et quand je suis revenu de 45 en 49, je jouais de l'accordéon dans tous les villages, tous les bals, depuis Bessan jusqu'à Modane. Bonjour, alors c'est la première fois que vous venez à Termignon pour le festival d'accordéon ? Oui, c'est la première fois que je viens au festival d'accordéon à Termignon, c'est sympa. Et alors comment ça se passe, vous aimez bien ? Oui, oui, j'aime bien, c'est sympa, il y a la feu d'artifice, l'accordéon que j'aime bien, l'ambiance, il ne fait pas trop froid, c'est génial. Les vacances.